Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom sur l'épisode de Crossout, chers amis. Donc, on continue un petit peu notre petit bordel. Hop, kill assist malheureusement. Kill assist encore une fois. Hop. Kill assist. Il commence à faire beaucoup trop d'assist pour moi. Hop. Crac. Kill assist. Kill assist. C'est vraiment dommage ça. Kill assist. J'en ai pas touché un seul en final. Aïe. Hop, ennemi destroyed. Ennemi. Ah non, kill assist. Oh, quel dommage. C'est du vol. C'est du vol, chers amis. Honnêtement, c'est du vol. Hop. Un peu plus de points. Crac. Hop, les... ça fait du bien par où ça passe, tous ces dégâts. Et voilà, on a un allié qui est en train de prendre plein dans la poire. Allez. Voilà, un de plus. Hop les... quoi? Merde, pas fait attention à celui-là. Hop, un de plus. C'est fait, allez, meurs, 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 meurs. Allez. Crac. Par contre, faut vraiment que j'arrive à reprendre une tour. Crac. On est à 5. Oh la vache, j'ai plus de roue sur la droite. Quel dommage. Laissez-moi. Mais normalement je peux pas jouer à votre jeu là du coup là. Allez. Merde, ils l'ont détruite ici. Ah les cons. Allez, meurs. Hop. Crac! Boum! Merde, je vise trop haut d'un côté. Rien en fait là où je tire. C'est juste trop loin derrière en fait. Crac! Allez mec! Allez! Marcus, allez! Fais pas ta chuchote! C'est bon, on y est. Oh merde! L'impact a eu ce pauvre missile. Allez! Tu peux faire mieux que ça, Marcus! Tu peux faire mieux que ça! Reste personne à péter dans le coin? Dommage. Crac.
Allez, tu vas l'avoir, c'est bon. Victoire. Bon, 9 kills, ça nous fait combien de, d'XP? 475, c'est pas beaucoup, hein. Ok, bon, on a une 3 coupons supplémentaires. Ce qui n'est pas plus mal. Ce qui n'est pas plus mal. Rapidement, je passe par faction. Niveau coupon, on est encore dans la dèche, hein. C'est pas un problème. On s'en doutait un petit peu. Ici. 38 sur 50 pour avoir un canon à 88. Ça peut être sympa. Ça peut vraiment être sympa. Ça aussi. Fire rate, énergie requise 3, 3, 3, 3 partout. Peut-être ça le plus violent en fait dans l'histoire. Ok. Oui, de toute façon, j'ai pas de place pour ça. Enfin, j'ai pas de quoi le faire. Ok, bah on repart en battle classique alors, chers amis, du coup. Get the wheels, hein, on va essayer de faire de l'XP à balle. Faire de l'XP à balle et on verra bien. Hop, on repart. Oula, la partie elle est dans la merde là pour One Shot Wanderer. Mais je me demande des fois si on n'a pas des personnages qui sont... Enfin, des PNJ qui ont des noms de joueurs. Je retrouve les mêmes noms quelque part. Ça commence à faire beaucoup de fois. J'ai des doutes. Allez, à nous. À nous. On va faire des kills, chers amis. On va en faire. Allez, c'est la fête. Ok. Alors, par là, c'est pas le bon. Pas le bon choix. Oula. Il a bougé. Ok, on y va. Et de 1. On recule. Aïe, oh, ça fait mal ça. Faut peut-être pas exagérer là par contre mon pote, hein. Le coup du je pète tout l'avant de ton véhicule d'un seul coup, c'est peut-être un petit peu trop. Oh là là! Ok. Non mais je vais me rentrer, y a pas de souci. Je vais me remettre dans ma base. Et je vais la couvrir comme un grand garçon. Parce que c'est ce que je suis, un grand garçon. Si je me tapais pas dans des cailloux imaginaires. Oui, je sais, je suis dans la terre, et alors? Allez! Oh putain! J'ai plus de facilité à grimper une colline qu'à en descendre une. Allez comprendre. Tout mon poids serait à l'avant alors. Enfin, tout mon poids serait à l'arrière. Non, même pas, ça n'a aucun sens. Ça n'a tout bonnement aucun sens. Hop, c'est mieux dans ce sens-là. Crac. Voilà, on n'a plus qu'à attendre qu'ils viennent. Et bon, je pense qu'ils vont préférer détruire nos potes. On va essayer, hein. S'ils peuvent rush leur base, ce serait cool. C'est fini de toute façon, cherche pas.
Oula, le gros gros bug à la fin. Bon bah défaite. Pourquoi défaite? Oh, maintenant il y a ça maintenant. D'accord. Ça m'invente des choses au fur et à mesure. Bon. Ah oh là là, mais je déteste voir ça. Honnêtement. Honnêtement, je déteste voir ça. Le coût des armes et des véhicules qui sont jetables, ça me saoule. Ça me saoule, mais à un point. Ou alors, faudrait que les parties gagnées refassent monter les points, quoi. Vous voyez qu'il y a un équilibre. Qu'il y ait un équilibre, mais non. Mais non. C'est trop en demander. Allez, Ryan, tourne. Tourne, Ryan. Tourne. Oh putain, qu'il est con, Ryan. Ok. Oh, what the fuck? C'est les rails qui m'ont fait ça? Boum! Sandra qui me bourre. Sandra qui est censée être mon allié. Hop les. Crac. Dommage. Dommage, dommage. Panzer out. GG. GG, GG. Un tracteur. Mais bon, je vais rien dire. Encore une défaite. Génial. Génial, génial. Alors, allons voir au niveau de nos pièces, parce que je sens qu'on en a pris plein la poire. Intégrité. Oh, il y a du jaune. Replace all, c'est possible ou pas? You are purchasing Hot Thunder for $35. Confirme purchase. Oh la gueule. D'accord, L pipes. D'accord, je peux remplacer les autres. Et donc, qu'est-ce que ce sera quand on aura d'autres choses à remplacer, chers amis? Franchement, je trouve ça vraiment très moyen. Vraiment très très moyen. Ok, bon bah, on recommence. Hein. On reprend. En espérant tomber sur une équipe... Oh putain, on est sur les mêmes, je crois. Je crois qu'on est exactement sur les mêmes. Merde! Mais bon, c'est comme ça. Vivement qu'on soit niveau 10, qu'on puisse essayer au à la création de robots. Enfin, de véhicule. Vraiment, vraiment vivement ce moment-là. Bon, Beast of Valhalla, faut aller voir ce que c'est que ce machin-là. Oh la gueule, double canon à l'avant. Attention, je casse tout. Et donc apparemment, d'après ce qu'on en a vu tout à l'heure, il faut des generators, heavy generators, voilà. Et ça qu'il nous faudrait pour avoir plus d'énergie. Eh bah putain. D'accord, on va essayer d'aller chercher ça tout à l'heure.
Boom, bitch, get out the way, reboom. Et troisième boom. TT Atlante. Le voilà, c'est celui-là qui tire. À la gueule. Turette Canon 88. Oh! Dommage. Try again. Try again. Il est joli celui-là. Le pire en plus, c'est que le système de réparation, comme on peut le voir à l'heure actuelle, c'est leur système qui fonctionne très très bien en closed beta, parce qu'en fait c'est des petits joueurs, des petits groupes de joueurs souvent assez select, qui aiment assez aussi le petit côté très difficile du jeu. Mais une fois qu'on arrive sur un jeu qui va ouvrir en free to play avec une quantité de joueurs complètement incroyable qui va arriver dessus, ça va faire un flop à cause de ce système là. Enfin, ça risque de mettre tout le monde en désaccord avec ce système en fait, tout simplement. Hop, t'évites de vouloir me rentrer dedans, s'il te plaît. Ok. Ok, on y est. C'est la fête. Je touche pas. Hein. Hop, ça y est, là on touche. Non, c'est pas grave. On va le défoncer avant qu'il ne nous défonce. Victoire, voilà. GG. 106 points pour une victoire. C'est assez moche. Hein. Eagle. Ah, sympa. Hop, on va revenir. Maintenant qu'on a fait une victoire, on peut se permettre de revenir. De toute façon, on va perdre des bouts. Hein. Faut pas se voiler la face. On va se perdre des bouts. Donc. Market. Alors, search generator. Voilà. Ça coûte combien? Evite générateur. Rajoute de l'énergie 2 points. D'accord. Ça coûte extrêmement cher. Putain, il m'en faudrait 2, ce serait cool. si j'en achète 2 comme ça. Imaginons, j'en achète 2. Ça me coûte un prix de connerie, j'en achète 2. Véhicule. Build. Imaginons, j'enlève 2-3 petites choses. J'enlève par exemple ceci. Crac, voilà. Et je les ajoute, on va dire... ici et ici. Ah la vache, on peut en monter qu'un seul. Quelle horreur. Ah, surtout prévenez pas. Hein. Ah le gâchis de pognon. Bon, ça m'en fera un de rechange, c'est pas grave. En soi, ce n'est pas gravissime. En soi, ce n'est pas gravissime. Hop. Pourquoi pas. C'est un total de combien de points en fait sur l'info? Vas-y. 10 sur 12. J'enlève ce truc là. Fait 8 sur 12. J'ai donc 4 points à mettre au total. Donc je pourrais mettre un shotgun.
Shotgun qui serait encore plus efficace, sachant qu'à l'avant, en plus, j'ai le... Ça peut être pratique, ça, non? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Voilà. Au niveau de l'avant. Tu veux bien... Tu veux bien pivoter, non? Non, tu veux pas? Voilà. Toujours plus de commandes XP, hein. En tout cas de réputation. Ce côté-là. Je peux en mettre encore deux. Hop, hop. Comme ça, ça fera encore plus de dégâts. Crac. Ça. Limite, je peux pas le mettre là. Crac. Avec ça de l'autre côté. Crac. Voilà. Et on est donc à 55. On a un shotgun devant, ce qui fait qu'on fera une quantité de dégâts monstrueuse au corps à corps. Normalement. Et on va aller essayer ça, chers amis, rapidement. Hop, rapidement, rapidement. Croisez les... Serrez les fesses, croisez les doigts. Et ben non, on arrive en début de partie. Dommage. Dommage, dommage. Bon, ben, on va suivre quelqu'un. On va suivre Beast of Valhalla. Vidmar. D'accord. Beast of Valhalla, voilà, avec ses deux gros canons. Ah, c'est pas encore celui-là qu'il avait, je crois, tout à l'heure. Mais why not, hein. Why not, why not, hein. Il fait mal, hein. Il fait... très très mal. Boum, là, ta droite, Robin, là. Robin! Eh bien. Il a rien vu, cet homme. Oh là. Difficile de prendre un virage, hein. Il essaye d'agir, mais c'est trop tard. C'est trop tard, c'est trop tard. Il était tout seul de toute façon. Pauvre bonhomme. Pauvre Beast of Valhalla. Qui a pris extrêmement cher. Alors, la suite. La suite. Testons notre armement. Testons notre équipement. Qui est censé faire des dégâts au corps à corps. Et ça me plaît. Ça me plaît. Ça me plaît le corps à corps en bagnole, moi. Allez, c'est parti. Tu permets? Ah, on a beaucoup moins de points de vie, par contre, hein. Hop les boum. Boum. Ça fait 2 kills assist, c'est dommage. Et je crois que Bart va faire beaucoup de dégâts. Voilà. Bart a l'air d'être parti pour se faire l'équipe entière. Moi je vais prendre la tour, hein. Enfin je vais prendre la base, hein. Je vais pas m'embêter. Hop. Crac. Ben voilà. Personne qui va venir.
C'est que c'est vrai que ça va être un petit peu long tout seul, mais bon. Ah. Hop, pouf. Attends. Hop. Allez. Ah, quel dommage. Et on l'a pas eu avec l'explosion, quel dommage. Quel dommage. Ah. La tension était à son comble pourtant. Vraiment dommage. Vraiment dommage. On va aller chercher Bart. Voilà, Bart qui se défend comme un gros malade. Bart qui est un vrai tank. Oh là là. Les dégâts de ce Bart. Les dégâts de ce Bart face à l'équipe adverse. Il a le droit de mourir normalement lui, alors bon. Oh la gueule. J'ai été inutile. Alors on a deux problèmes, chers amis. Deux problèmes qui sont ces choses là qui nous empêchent de faire des dégâts avec la truc à l'avant. Donc inutile pour le moment. Du coup moi je me dis qu'on pourrait peut-être ajouter un petit peu de défense. Ça nous ferait pas de mal. Hop. Ça nous ferait peut-être pas de mal. Crac, crac. On est déjà à 55, c'est génial. Power score 22. Sort by power score. Structure. Structure, c'est par où? C'est là. Hop. Crac. Un petit peu de tôle devant nous, ça va pas nous faire de mal, ça va nous protéger un peu plus. On repart. On repart une dernière fois, chers amis, pour cet épisode. Et ensuite, ce sera le prochain. On se retrouvera dans un autre épisode. À l'heure. Croisez les doigts pour qu'on arrive en fin de partie. Ah bah, c'est encore mieux. On arrive sur une partie qui vient de s'ouvrir. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Même si honnêtement, là, la partie à l'heure actuelle, elle est moyenne, hein. C'est que des PNJ en 1 contre 1. Donc bon. Potentiellement, ce que je pourrais faire, c'est d'aller choper la tour. Hein. Enfin, choper la base. Ou alors, je fonce dedans. Je ne sais pas. Et je reste planté là. Référence à une super chanson. Non, je rigole. Je ne sais pas et je reste planté là. Oh merde, y'a Alec devant nous. Oh la vache, ils sont nombreux. Hop, allez. Crac. Allez. Ça y est. Je suis en train de prendre la base ennemie, mais ça va pas durer longtemps. Ok. Je vais pas y arriver. Allez. Boum. Ok. Et mes potes, ils font quoi là? Mais regardez ça! Qu'est-ce qu'ils venaient faire? Qu'est-ce qu'ils foutent dans le milieu de la base? Enfin, dans le milieu de la map, pardon. Qu'est-ce qu'ils foutent? Qu'est-ce qu'ils foutent? Je fais une quantité de kills. Oh là là, replace broken parts to earn more. D'accord.
Alors qu'est-ce qu'il y a bro, qu'est-ce qui est broken? Hop, génial. Ok. Ça me coûte la peau du cul. Ça me coûte la peau du cul. Storage. Tiens, ça, je peux pas le vendre. J'en ai en 8, mais je peux pas le vendre. Ça non plus. Je peux pas le vendre. Je peux pas le vendre. Worn out. D'accord. Ça, si je le vends, ce serait stupide. Ça, hop, tu me le vends. Voilà, 4$. Wouhou! Ça, je peux pas le vendre, j'ai pas le droit. Ok. Ça. Attends, parce que là, je peux en vendre un paquet. Trade. Hop. 3. Voilà. Trade. Sell. 7. Voilà. Bim. Ça se vend? Putain, ça se vend même bien. Ok, vend. Voilà. Bon, on n'a plus qu'à attendre que ça se voit vendu, chers amis. Bon. Pouah. Eh bien écoutez les amis, on va cesser là du coup pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom, n'a pas trouvé le lien dans la barre de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures, salut les gens et yo!